Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la box Beauty Hero du mois de mai 2019, donc les produits Ayuna. Donc en fait c'est une marque dont j'avais entendu parler sur plusieurs chaînes et que j'avais très très envie de tester, sauf qu'elle est extrêmement chère. Donc je savais que Beauty Hero avait déjà fait deux box sur les produits Ayuna et là c'était la troisième fois qu'il faisait une box sur cette marque là, mais l'avantage c'était que c'était deux nouveaux produits dont celui-ci qui était vraiment une sortie. Donc au mois de mai, il venait juste de sortir, donc j'étais vraiment très contente d'avoir testé ces deux produits. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette box? On a le produit Velo qui est un 6 en 1 avec un SPF de 30 et ensuite on a le The Facial Low. Donc moi j'ai le Low et il y a aussi le High qui est une lotion exfoliante pour le visage. Donc le produit Hero, donc c'est celui-ci. Donc je vous montre le petit dépliant, voilà, de Beauty Hero. Donc c'est ce produit là. Donc ce 50 ml coûte 156 €. Donc c'est un produit qu'on dit 6 en 1. Je vais vous parler deux petites secondes de Ayuna, je vais vous décrire les produits et après je vais vous donner mon avis puisque j'ai eu le temps de les tester. Donc Ayuna a été fondée par deux femmes, donc ce sont des Espagnols puisque c'est une marque espagnole, donc Isabel Ramos et Begoña San Juan. Donc c'est toutes deux des professionnelles de la beauté qui sont chevronnées en innovation puisqu'en fait les produits Ayuna sont vraiment des produits très pointus au niveau de la beauté. Et même plus que ça, ce sont vraiment des produits minimalistes, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas utiliser sa routine classique avec ces produits-là et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout d'abord, Velo. Donc, c'est une BBCC crème avec un 6 en 1 qui va hydrater, protéger la peau, reformer, on va dire, le... Comment vous dire ? Les bonnes bactéries sur la peau, on va y retrouver de la vitamine E, de l'huile d'argan, des postbiotiques, donc justement pour les bonnes bactéries sur la peau, de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane, donc ça c'est pour la protection solaire puisque c'est un SPF de 30. Donc on retrouve beaucoup de produits, donc je vais vous montrer. Le produit se présente comme ceci, voilà. Donc il faut le secouer avant et il est teinté. Alors pour ma carnation c'est parfait. Parce que j'ai ni une peau très foncée ni très claire. Vous voyez, voilà. C'est vraiment une crème teintée. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que cette crème teintée peluche sur ma peau. Et c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai reçue en mai, j'ai voulu la mettre tous les jours. Donc tous les jours, je la mettais, ça peluchait. Donc j'essayais d'enlever des produits, rajouter des produits, tout ça. Mais du coup, comme ça peluchait, je ne pouvais pas en mettre une grosse quantité. Vous savez bien que les produits solaires, il faut en mettre une grosse couche, ça fait un effet blanc, on masse et ça pénètre dans la peau et c'est ce qui nous protège du soleil. Or là, le fait qu'elle peluchait tout le temps, je n'arrivais pas à en mettre une grosse quantité, je n'arrivais pas à masser puisque ça peluchait. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez mes petites taches que j'ai ici, donc mes taches de soleil que j'ai là et là. Avec ce produit-là que je mettais tous les matins, ressortait. C'est-à-dire que de l'hiver, je ne les avais pas vues. Du printemps, je ne les avais pas vues. Et du moment où j'ai commencé à utiliser ce produit, elles sont ressorties. C'était juste horrible. Donc, je l'ai utilisé pendant un mois. Et ensuite, j'ai arrêté. J'ai acheté le produit Rennes que j'utilise depuis. Et franchement, les taches ne se voient plus du tout. Sauf si on est vraiment très près et qu'on regarde. Mais on a vraiment l'impression que ce sont juste des petites taches de rousseur. Donc ce produit-là, du fait qu'il peluchait, que je ne pouvais pas en mettre en grosse quantité, que je ne pouvais pas l'appliquer comme je voulais sur le visage, ça a été une catastrophe. Donc je ne le jette pas hein, au prix de 156 $. Je vais juste le mettre de côté et le garder pour cet hiver. Peut-être que j'aurai une peau plus sèche et du coup ma peau absorbera mieux les produits que je vais mettre. Et donc je n'aurai plus cet effet qui peluche. Donc je vous tiendrai au courant. Sinon c'est un très joli produit, le côté teinté c'est super sympa, ça donne un effet de bonne mine, moi je me maquille pas du tout le teint, pratiquement jamais, donc en été ça donne un effet bonne mine, ça unifie le teint, c'est très joli. Le seul problème pour moi c'était ce problème de que ça peluche et donc pour moi c'était impossible. On va dire si j'avais pas eu ce problème de taches, je me serais forcée à l'utiliser, mais vu que mes taches ressortaient vraiment... Ça a été vraiment une catastrophe, donc j'ai pas pu l'utiliser jusqu'au bout, mais je le réutiliserai
Dès qu'il fera un peu moins beau à partir du mois d'octobre, je pourrai le remettre. Par contre, mon gros coup de cœur, mais vraiment coup de cœur absolu, c'est celui-ci. Donc c'est The Facial Low. C'est une lotion, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est l'un des derniers produits sortis par Ayuna avec le produit Velo. Donc qui nettoie la peau en douceur en fait, il renouvelle les cellules. En fait c'est une lotion exfoliante que vous utilisez matin et soir. Donc il rend la peau plus douce, plus lisse et plus uniforme. Mais surtout, qu'est-ce qu'il hydrate ma peau? C'est juste un bonheur. Donc ça se présente sous un format goulot comme ça. Donc en fait c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, en fait c'est biphasé. Il y a une lotion et une poudre. Donc il faut bien le secouer. Donc ils disent que vous pouvez l'utiliser avec un coton. Moi je trouve que c'est largement gaspillé du produit parce que ça coûte 96$. Donc vous imaginez une box à plus de 250$. Non, je vais pas gaspiller le produit avec un coton. Donc moi j'en mets dans mes mains et j'étale sur mon visage et je le fais pénétrer sur le visage. Et qu'est-ce que j'ai la peau douce. Franchement, la première semaine que je l'ai utilisé, au travail, je me touche souvent le bas des joues, même si je sais que c'est pas bien parce qu'on n'a pas les mêmes propres et que en fait on a tendance à se mettre des mauvaises bactéries sur les joues et que ça fait des boutons en fait. Mais c'est vrai que j'ai tendance à tout le temps me toucher les joues et j'étais en train de me dire mais mon Dieu que ma peau est douce et j'étais en train de réfléchir qu'est-ce que j'ai changé comme produit. Juste ça. Ce produit rend la peau mais tellement douce, c'est un pur bonheur. Et ça hydrate parfaitement la peau. C'est-à-dire que quand j'utilise ce produit, je ne peux pas utiliser mon gel à base d'acide hyaluronique. Et je ne peux pas utiliser un sérum hydratant à base d'acide hyaluronique. Hein. Je ne peux utiliser qu'un sérum huileux, pas du tout un sérum aqueux. Tellement il hydrate. Je pourrais mettre juste ça et une crème hydratante et ce serait parfait. J'aurais besoin de rien d'autre tellement il hydrate ma peau et il gomme les petites peaux mortes et rend la peau tellement plus douce et le teint tellement plus unifié. Donc voilà, rien que pour ce produit, j'ai adoré cette box. Je suis un peu déçue pour celui-ci, mais je le retesterai, je vous en reparlerai. Mais si vous avez l'occasion de tester ce produit-là, mais alors foncez puisque c'est un pur bonheur. Après l'odeur, je ne suis pas spécialement fan, je ne trouve pas que ça sente spécialement bon. Mais rien que pour l'effet sur le visage, c'est vraiment génial. Donc je vais vous lire ce qu'ils nous disent sur le petit flacon. Ils nous disent « The Facial est une poudre en lotion », donc ce que je vous disais, c'est pour ça qu'il faut le secouer, « qui transforme visiblement la peau en améliorant son toucher, son apparence ». Mais alors ça, à 1000% oui. L'utilisation quotidienne de ce système d'acide colloïdal optimise les résultats de la routine de beauté du visage et aide à maintenir l'équilibre du microbiote cutané, unifie le teint, favorise une brillance naturelle et aide à maintenir la peau plus saine. L'application, donc agitez avant d'utiliser, appliquez The Facial le matin et ou le soir sur la peau propre avant la crème. Donc Ayuna, répartir doucement du bout des doigts ou avec un coton, donc dommage d'utiliser un coton, hein, sur le visage, le cou et le décolleté, éviter le contact avec les yeux. Et à utiliser évidemment avec un produit solaire puisque en fait c'est un gommage enzymatique, donc du coup ça fragilise la peau et donc c'est pour entre guillemets de ne pas avoir des taches en plus. Donc voilà, donc vraiment... Voilà, mitigée sur ce produit, mais gros coup de cœur pour ce produit. Tellement heureuse d'avoir pu tester les produits Ayuna. Ça faisait tellement longtemps que je voulais les tester. Mais c'est tellement cher que franchement là, ça valait le coup juste pour cette box de s'abonner juste un mois. Oui, puisque depuis quelques semaines, on peut s'abonner que juste pour un mois et se désabonner à tout moment. Avant, à une époque, il y a 2 ans, quand j'étais abonnée, c'était tous les mois. Après, ils l'ont enlevé, ils ont mis en trimestriel et là, au mois, c'est revenu. Donc, je vous conseille de guetter sur leur Instagram les box. Et quand vous voyez une box qui vous intéresse, par exemple, comme la marque Ayuna, je vous conseille de vous inscrire donc pour recevoir la box une seule fois. Et après, vous pouvez vous désabonner, c'est sans engagement. Et rien que pour ces deux produits-là, la découverte de cette marque, je suis vraiment très très contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé, que j'ai pu vous aider. Voilà, si vous avez envie de tester ces produits-là ou de tester cette marque, je peux vous la recommander à 1000%.
Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!